Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le BioBooster Plus de chez Aquatic Science, qui est un produit vraiment super efficace qui va vous aider à lutter contre un problème que tout le monde, ou en tout cas que beaucoup de gens ont dans leur bassin, c'est-à-dire les algues filamenteuses. Et en plus, ce produit va vous aider à diminuer la quantité de matière organique dans le fond du bassin en faisant remonter celle-ci vers la surface. Donc ça va également diminuer la quantité de vase dans le fond de votre bassin. Alors, c'est un produit qu'on a testé pas mal et on a fait pas mal de petites images. Vous verrez, on a fait un test en aquarium pour pouvoir bel et bien vous montrer la manière dont ce produit fonctionne. C'est-à-dire, vous allez saupoudrer des granulés dans votre bassin. Il faut compter environ 2 mesurettes de ce produit par mètre cube d'eau. Et vous allez voir qu'en quelques minutes de temps, toutes ces crasses vont remonter à la surface. Et par l'effet de l'oxygène dégagé, vous allez également brûler les algues filamenteuses. Donc, je vais vous montrer comment procéder. Donc, dans le pot, vous avez une petite mesurette. Donc, et vous saupoudrez sur l'ensemble de votre bassin le produit. Et vous allez voir que très, très rapidement, ce produit va réagir, va faire des petites bulles qui vont faire remonter la matière organique qui est dans le fond à la surface. Alors vous voyez que très rapidement ce produit va réagir. On voit les feuilles qui remontent en surface. C'est assez impressionnant comme phénomène. Alors il y a 2 solutions par rapport à toutes ces feuilles et toutes les crasses qui remontent. Soit, comme dans le cas présent ici, vous avez un skimmer qui va ramasser toutes ces matières organiques qui vont venir à flotter. Également, vous pouvez prendre une épuisette et ramasser celle-ci au fur et à mesure. Ce produit va en plus vous permettre de stabiliser votre dureté d'eau parce que c'est un produit qui est à base de minéraux, donc vous allez remonter votre GH et votre KH en même temps. Ne soyez pas impressionné par la réaction du produit. C'est un produit qui réagit de manière assez rapide et imposante. Vous allez avoir beaucoup de mousse blanche qui va se former à la surface de votre bassin. C'est tout à fait normal. Alors, n'hésitez pas, après avoir fait ce traitement, de bien refaire une dose de bactéries nitrifiantes afin de permettre à votre bassin de se rééquilibrer et à permettre surtout de décomposer le reste de matière organique. Alors, très important, lorsque vous faites quoi que ce soit comme traitement à base de produits, votre bassin, n'hésitez pas toujours à tester les différents paramètres, c'est-à-dire votre pH, votre dureté totale, votre dureté partielle, et vérifiez surtout aussi avant que vous n'ayez ni ammoniac ni nitrite afin d'éviter tout problème. Voilà, je vous souhaite à tous une superbe saison aquatique.